La mémoire me fait souvent défaut ces temps-ci. C'est probablement les effets toxiques de cette terre glacée sur mon moral et mon désir de survivre. Les années passent, mais la solitude me ronge les os. Si ce n'était que des zombies, ça irait. Mais malheureusement pour moi, mes origines ancrées dans le passé font de moi la dernière humaine née avec le pouvoir des dragons. Mon nom est Josie Tekkar, la descendante des Tekkariens, héritière d'une terre dévastée par l'avidité et la quête du pouvoir ultime. Depuis la guerre des dragons, ici, c'est l'anarchie. La magie a parasité nos plaines fertiles, en terre désolée où très peu de parcelles qui demeurent saines existent toujours. Les zombies et les squelettes de nos camarades tombés au combat contrôlent la nuit et rendent ce monde danger pour quiconque voudrait y survivre. Mais cela n'a pas toujours été le cas, oh non. Avant cette guerre, les dragons et nous partagions avec respect et harmonie le pouvoir des arcanes qui nous avait permis de créer un portail magique avec eux, nous rendait possible de marchander de façon magique. Ce marché ultime nous a permis d'utiliser la nouvelle façon de transiger nos ressources, l'argent. Notre société avait prospéré avec même l'apparition d'emplois qui étaient devenus, pour nous, un atout pour notre société. Mais au sein même des dragons, un petit groupe avait décidé que les humains ne pouvaient jamais être leurs égaux et que la servitude était la meilleure utilité pour cette race inférieure. Ils ont créé une dimension où ils ont emporté les pauvres victimes humaines qu'ils avaient décidé d'asservir. Dans ce monde que nous appelons la fin, les dragons ont grandi en puissance et ont créé une nouvelle race d'humains maudits nommée les Enderman. Ces dragons sont revenus sur Terre avec leurs armées, et les humains, supportés par quelques dragons, n'ont pu gagner cette guerre. Aujourd'hui, il ne reste que moi et quelques survivants que je vois très rarement. Parfois, je me demande si tout ça n'était qu'illusion. Les dragons nous envoient parfois un exilé d'une autre dimension par le portail des naissances. Mais ce n'est pas arrivé depuis si longtemps que mes espoirs de revoir les humains deviennent de plus en plus minces. Il y a toujours les mutants qui ont formé quelques villages par-ci, par-là. Mais il y a longtemps que nous avons perdu la capacité de les comprendre. Dans leur dégénérescence, ils ont perdu la parole et ne font que des petits sons qu'ils semblent comprendre entre eux. Pour ce qui est de moi, je tente de construire un cocon confortable au milieu de cette plaine de glace à protéger le portail des naissances. Les marchés magiques fonctionnent toujours grâce au dragon de glace qui s'est sacrifié en ne faisant qu'un avec la plaine. Le sang qui coule dans mes veines me donne le droit et la possibilité de protéger des zones afin d'y construire des abris et de partager cette magie aux pauvres survivants qui viendraient en ce monde. Mais au-delà des limites protégées, il ne reste que l'anarchie, les zombies, la mort et la solitude. Je marche dans la nuit, là où les chats sont gris, construis une nouvelle vie dans la nuit.
construit.